dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la vie de Gabriel est en danger, Raphaël présente Stanislas à son entourage. Marianne voit quant à elle d'un mauvais œil le rapprochement entre Christelle et Victor. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 5 avril dans Demain nous appartient. La vie de Gabriel est en danger. Gabriel a été kidnappé et a passé la nuit dans le coffre d'une voiture. Il a beau crier à l'aide, personne ne peut l'entendre puisque le véhicule est stationné dans une sorte de fourrière. Pendant ce temps, Timothée est inquiet car Gabriel n'est pas rentré de la nuit. Trouvant cela étrange elle aussi, Nora appelle immédiatement la police. Au commissariat, Karim confirme au fils Brunet que Gabriel n'est pas allé travailler et cherche à savoir s'il n'aurait pas remarqué quelque chose de bizarre près de leur immeuble. Selon Timothée, une voiture en très mauvais état avec la portière arrière droite enfoncée est égarée devant chez eux et a démarré en trombe quand il est arrivé chez lui. S'il n'a pas vu le conducteur, Timothée a cependant pu relever la plaque d'immatriculation. Plus tard, la police fait le point sur la disparition de Gabriel. Karim a vérifié l'immatriculation de la voiture et a découvert qu'elle avait été volée la veille en fin de journée. Malheureusement, elle n'a toujours pas été retrouvée. Le capitaine Saïd imagine alors que Gabriel aurait pu voler la voiture, se débarrasser de son téléphone portable avant de prendre la fuite. Les policiers soupçonnent donc le fils Guéo d'être le meurtrier de Romain et Alizée Melville. Comme rien ne prouve qu'il était seul, Karim envisage également la possibilité que Bart puisse être son complice. De son côté, Nordine estime quant à lui que Gabriel aurait pu être enlevé. Même si Karim reconnaît que c'est une possibilité, leur priorité reste de retrouver la voiture. Dans le même temps, Gabriel tente par tous les moyens de s'échapper du coffre de la voiture mais sans succès. En parallèle, Nora et Charlie sont au Spoon. Certaines que Gabriel n'a pas pu disparaître seul, elles envisagent que quelqu'un ait pu s'en prendre à lui. Charlie soupçonne alors Garance d'avoir tué les Melville puis d'avoir fait disparaître Gabriel pour l'empêcher de parler. Une hypothèse à laquelle souscrit Nora et ce d'autant plus que c'est Garance qui a vu Romain Melville en dernier le soir de sa mort. Au même moment, la fille Doucet débarque au Spoon et les informe qu'elle a reçu un appel de la police concernant la disparition de Gabriel. Face à leur silence, Garance comprend que ses amis la soupçonnent d'être à l'origine de sa disparition. Chez les Delcourt, Anna, Louise et Chloé sont autour d'un café. Inquiète, la psychologue craint que son fils craque après ce qui est récemment arrivé à Flore. Malgré tout, Chloé l'encourage à garder espoir. Au poste, Damien a relevé des traces d'un anesthésique super puissant sur les écouteurs de Gabriel. Il ne fait désormais plus aucun doute pour Karim et Sarah que le jeune homme a bien été enlevé. Bien qu'il y ait peu de chances qu'il soit encore en vie, Karim presse ses équipes de retrouver la voiture au plus vite. À quelques encablures, la vie de Gabriel est plus que jamais menacée puisque le véhicule dans lequel il est enfermé est sur le point de se faire broyer. Le jeune homme va-t-il s'en sortir? Raphaël présente Stanislas à son entourage. Raphaël et Stanislas ont passé la nuit ensemble. Heureuse, Raphaël aimerait passer plus de nuits avec lui.
Comme elle ne pourra pas envoyer sa fille chez Dorian tous les soirs pour passer du temps avec son amant, Stanislas lui propose de passer la soirée sur son bateau ou encore mieux, qu'elle le présente à Camille officiellement. Seulement, Raphaël pense que c'est un peu prématuré pour cela mais promet toutefois d'y réfléchir. Le couple décide ensuite de se revoir le lendemain pour une balade en mer après le travail. Plus tard, Raphaël déjeune avec Alex et Chloé au Spoon. L'RBA, l'avocate leur raconte combien elle se sent bien avec Stanislas qu'elle dépeint comme un homme gentil, prévenant et marrant. Tandis qu'elle se demande si ce n'est pas trop tôt pour présenter officiellement Stanislas à Camille, Chloé estime que non et l'enjoint même à le faire. Quelques secondes après, Stanislas fait irruption et fait la connaissance du couple Delcourt. Au cours de la discussion, Stanislas invite Chloé et Alex à se joindre à eux pour une virée en mer le lendemain, ce qu'ils acceptent avec plaisir. Si Alex pense que Raphaël a l'air d'avoir trouvé l'homme qu'il lui fallait, ce n'est pas le cas de Chloé qui semble plus sur la réserve. En fin de journée, Raphaël invite Stanislas chez elle pour lui présenter officiellement Camille. De son côté, ce dernier n'est pas venu les mains vides puisqu'il offre un bouquet de fleurs à Camille et des réglisses salées à Raphaël. Maria ne voit d'un mauvais œil le rapprochement entre Christelle et Victor à l'hôpital. Victor offre à Christelle un livre de Victor Hugo pour la remercier d'avoir été à son écoute vendredi dernier. L'ancien homme d'affaires en profite ensuite pour solliciter son aide pour obtenir des renseignements sur les aides potentielles pour les jeunes dans la situation de Timothée. Ce qu'elle accepte avec plaisir. En parallèle, Monsieur Dumoret n'a rien raté de leur échange et croit que Christelle a tapé dans l'œil de Victor. Si Christelle est tombée dans son petit jeu de repenti, ce n'est pas le cas de Dumoret qui prévient Victor que ce n'est pas parce qu'il est vieux et mourant qu'il va prendre des pincettes. Puis de lancer qu'il n'a pas peur d'en venir aux mains. À l'heure du déjeuner, Christelle fait le point avec Victor sur toutes les aides dont Timothée peut bénéficier pour ses études. Marianne, qui les entend discuter, attend que Victor soit retourné travailler pour mettre en garde l'assistante sociale. Elle lui rappelle qu'elle est millionnaire depuis peu et l'enjoint à rester sur ses gardes car Victor est un escroc. En 20 points en fin de journée, Victor questionne son fils sur les enfants Moreno. Comme Timothée cherche à comprendre pourquoi il s'intéresse autant à Christelle, Victor prétend être tout simplement curieux. The...